Bonjour, je suis Marie-Josée Turcotte, je suis ambassadrice de la grande campagne de philanthropie de l'Université de Montréal. Bonjour, je m'appelle Lana Ziller, je suis étudiante en sciences politiques à l'Université de Montréal et j'ai effectué le parcours RECI. En tant qu'ambassadrice de la grande campagne de philanthropie de l'Université de Montréal, j'aimerais vous parler d'un des axes de cette campagne-là, c'est-à-dire de rehausser, d'améliorer l'expérience des étudiants. Et Lana est un bel exemple. Tu as vécu, entre autres, le parcours RECI. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc, le parcours RECI, c'est un parcours qui permet aux étudiants d'obtenir une certification de leur engagement à travers leur diplôme. Ça leur permet de pouvoir participer à plusieurs activités extrascolaires, donc de bénévolat ou d'implication dans leur communauté, dans le but de bonifier, d'avoir une expérience personnalisée à l'Université de Montréal au cours de leur diplôme. Donc, on parle vraiment non pas de théorie, mais de pratique. On est sur le terrain à ce moment-là. Exactement. Donc, c'est la mise en pratique d'aspects théoriques qu'on peut obtenir au cours de notre diplôme et de pouvoir les partager et les mettre en valeur dans la vie de tous les jours pour justement avoir une expérience étudiante plus complète et plus enrichissante que l'obtention simplement du diplôme. Des expériences transversales qui serviront un jour dans le monde professionnel. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que tu as été choisie pour cette simulation à l'ONU à New York. D'abord, bravo, parce que c'est quelque chose de prestigieux. Comment cette expérience-là a amélioré ou bonifié ton parcours scolaire? C'est le fait de pouvoir justement mettre en application tout l'aspect théorique que j'ai pu avoir dans les cours à l'Université de Montréal. Donc c'est très enrichissant sur le plan humain et académique. Merci beaucoup, Lana. C'est grâce à des gens comme toi qu'on peut dire que l'heure est brave. Et c'est à ça que sert cette grande campagne de philanthropie. Donc vos dons servent à alimenter l'intelligence de ces jeunes étudiants.